Bonjour les amis, c'est toujours un agréable plaisir de partager ce petit moment fabuleux avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un détail très intéressant. Quand tu rêves, tu vois dans ton rêve quelqu'un de ta famille, une connaissance, quelqu'un que tu connais. Et dans ce rêve, tu constates que cette personne te poursuit. Cette personne t'agresse, une connaissance. Et quand tu te réveilles, tu vois que dans le rêve, tu vois que c'est tellement réel ce que tu as vécu, tu n'as même pas l'impression que c'est un jeu, que c'est un rêve. Pour toi, c'est un rêve prémonitoire que tu viens de faire. Tu peux voir ton collègue dans ton rêve en train de te poursuivre pour vouloir t'attraper. Ou un membre de ta famille. Mais c'est un rêve qui se répète. Ça se répète, ça se répète, ça se répète. Et tu te demandes, mais si cette personne n'est pas contre toi. Ça peut arriver que dans le rêve, vous voyez une personne que vous connaissez. Et parfois, le rêve devient très violent et parfois très brutal. Et si vous ne comprenez pas le rêve, vous allez penser que vous êtes en face d'un ennemi redoutable. Cette personne est contre moi et cette personne veut me faire du mal. Pour vous dire la vérité, vous savez, nous sommes dans un monde spirituel très sérieux. Pour ceux qui n'ont pas encore compris l'origine de notre existence, c'est que Dieu nous a déjà mis en garde sur le fait que nous devons prier sans cesse. Parce que notre véritable ennemi, ce sont les démons. Ils ne sont pas là pour rigoler avec nous. Ils sont là pour nous mettre en confrontation. Pour nous dire que toi, tu es mieux que l'autre parce que tu es clair. Toi, tu es mieux que l'autre parce que tu es noir. Toi, tu es mieux que l'autre parce que tu t'habilles mieux. En fait, le but des démons, c'est de vous mettre en confrontation. Si vous faites un rêve et que vous voyez qu'un membre de votre famille vous agresse, quelqu'un utilise le visage de cette personne pour vous mettre en confrontation. Et le but de cette personne, c'est pour vous, en fait, vous miroiter en réalité le vrai visage de votre ennemi. Parce que votre véritable ennemi, ce n'est pas celui qui vous attaque en rêve. Mais c'est qu'en réalité, vous avez un ennemi que vous ne connaissez pas, qui utilise l'image d'une autre personne. C'est arrivé beaucoup de personnes, ce genre de rêve, et ils ont coupé les ponts avec leurs parents, leurs amis, parce qu'ils pensaient que ce sont leurs amis qui voyaient en rêve, qui étaient leurs ennemis. Dieu ne peut pas vous mettre en confrontation, les amis. Dieu ne peut pas vous mettre parce que Dieu utilise le rêve pour communiquer avec vous. Si vous faites un tel rêve, vous devez comprendre que quelqu'un que vous connaissez très bien, quelqu'un qui est très proche de vous, qui vous connaît bien, se fait passer pour quelqu'un d'autre en fait. Quelqu'un en qui vous avez mis votre confiance se fait passer pour quelqu'un d'autre alors qu'en réalité, cette personne est votre ennemi. Le visage que vous avez vu en rêve, ce n'est pas cette personne votre ennemi. Votre véritable ennemi est dans l'ombre. C'est tout simplement ça que vous avez vu. Et cette personne qui vous attaque, c'est tout simplement ça, la réponse de votre rêve. J'ai toujours expliqué que lorsque vous faites des rêves qui sont brutaux, ça veut dire déjà que votre esprit est dans un combat perpétuel. Est dans un combat spirituel et vous interpelle sur l'attaque qui arrive, qui n'est pas loin de vous. Et lorsque ça devient une connaissance, le visage d'une connaissance, alors dans le rêve, on vous signifie tout simplement que votre ennemi et cette attaque dont vous avez subi dans le rêve n'est pas loin, est quelqu'un qui essaie de cacher son image. Priez beaucoup, les amis. Il n'y a que ça qui peut vous enlever dans la situation où vous vous trouvez.
Cachez-vous avec des choses que les gens ne peuvent pas voir. Vous savez, les amis, lorsque vous faites un rêve et vous plantez des graines, c'est un message crucial que vous venez de recevoir. Mais je vais vous donner la réponse de cette astuce très bientôt. Je vais vous parler d'un détail précis. Lorsque vous avez fait un rêve et vous avez les pieds nus, les amis, ce sont des choses qui doivent vous interpeller. Lorsque vous marchez pieds nus dans votre rêve, ou vous marchez tout nu dans votre rêve, alors voilà la signification la plus totale. Elle explique tout simplement que votre vie, dans laquelle vous êtes en train de vivre là maintenant, cette vie-là, vous risquez, si vous continuez de cette façon ou de la façon dont vous vivez, vous risquez de ne rien avoir du tout si vous êtes nu. Vous risquez de rester bredouille. Vous risquez de ne rien avoir, rien ramasser et rien garder. Quelque chose qui vous tient à cœur risque de vous quitter dans les mains si vous rêvez et que vous vous voyez tout nu dans votre rêve. Vous risquez de perdre quelque chose, vous risquez de subir une humiliation en perdant quelque chose qui vous tient à cœur. Vous risquez de laisser échapper de vos mains quelque chose qui vous tient à cœur. Ce sont des rêves qui sont un peu traumatisants quand le matin tu te réveilles. Tu te demandes, mais pourquoi j'ai fait un tel rêve? Je me demande, mais pourquoi j'ai fait un rêve aussi pareil? Mais ça vous met en garde, tout simplement. Vous devez faire attention à un détail très important dans votre vie. Et si vous avez un comportement assez plus important qu'on garde dans notre vie, c'est notre corps. Alors notre corps a ramassé beaucoup de choses qu'on doit toujours en profiter. Maintenant, si vous vous voyez tout nu, ça veut dire que vous avez perdu ou vous allez perdre quelque chose qui vous tient à cœur. Si vous continuez à marcher de cette façon dont vous marchez, ce n'est pas bon, les amis. Cette signification peut peut-être vous aider. Les amis, réveillez-vous pour votre vie. Si quelque chose ne va pas, essayez de prendre courage. Rien ne doit vous interpeller parce qu'au moins on a la chance que Dieu nous interpelle avec les rêves. Alors si un rêve et un tel rêve, vous le rêvez, alors voilà la signification. Changez de comportement, changez votre façon de faire, sinon vous risquez de perdre quelque chose si vous vous retrouvez tout nu dans votre rêve. C'est tout simplement ça. Vous avez rêvé et vous êtes sans chaussures. Nous avons habitué notre corps à une façon de vivre. En fait, on ne doit pas marcher tout nu, sinon les gens te trouvent bizarre. Si tu sors de ta maison tout nu, ou si tu sors de ta maison sans chaussures, vie. Parce que lorsque vous marchez tout nu, vous risquez de changer de direction dans votre vie. Une direction qui sera quelque chose que vous allez finir par perdre. Des choses comme le travail. Un gros changement ou un déménagement ou un changement de pays ou un changement parce que les pieds, c'est le mouvement. Lorsqu'on marche, lorsqu'on a les pieds nus, ça veut dire que nous sommes dans le mouvement. Alors, votre mouvement, c'est quoi, les amis? C'est vos pieds. Alors, si vous commencez à marcher tout nu dans votre rêve, alors dans votre vie, vous essayez de prendre une nouvelle direction qui serait une direction qui risque de vous apporter pas de belles choses, parce que pour se déplacer il faut porter des chaussures. Si vous n'avez pas de chaussures, alors vous n'aurez pas trop de force, trop de puissance pour affronter ce qui arrive devant. C'est tout simplement ça. Ce n'est pas un rêve qui est méchant, mais elle vous dit que vous allez changer de direction. Peut-être vous allez prendre un nouvel envol avec le mariage, une nouvelle relation dans laquelle vous êtes en train de vous mettre, ou un voyage que vous êtes en train de préparer. Ça vous demande tout simplement de bien réfléchir avant de vous engager dans la direction dans laquelle vous êtes en train d'aller. Voilà. Elle vous dit tout simplement de bien réfléchir avant de prendre la direction que vous êtes en train d'emprunter et de bien vous chausser
avant de prendre cette direction, de ne pas partir trop pressé dans votre mouvement pour prendre cet engagement. Vous devez bien réfléchir avant de vous lancer. En fait, certains rêves ont beaucoup de significations qu'on ne peut pas vraiment comprendre, qu'on ne peut pas vraiment expliquer. Mais tout ce qui parle des pieds et des chaussures parle des déplacements, parle des mouvements. Alors si vous vous retrouvez sans chaussures, ce n'est pas joli et ce n'est pas bon signe. Vous allez prendre une nouvelle direction qui pourrait être une direction qui ne va pas être trop favorable pour vous. Une direction que vous devez bien réfléchir avant de vous engager. Je ne sais pas quelle direction vous voulez prendre. Si c'est un nouveau travail ou démissionner là où vous vous trouvez, réfléchissez très bien avant de le faire. Si vous voulez changer de pays, dans le pays où vous allez aller, il y aura peut-être des obstacles. Vous devez avoir tous les armes avant de vous engager. Vous devez prendre vraiment un temps de réflexion avant de prendre la direction que vous souhaitez prendre. C'est tout simplement ça, les amis, ce n'est pas du tout méchant, mais c'est que vous devez tout simplement bien comprendre l'origine de votre déplacement et votre engagement, si ça peut aider. Si cette vidéo vous a plu, ça a été un super plaisir de le partager. Je vous dis à bientôt pour d'autres recettes.